C'est l'entraînement le plus fou du monde. Non mais regarde ce qu'il fait. Le gars court à pleine vitesse, et derrière lui, il y a un autre mec qui fait des tractions abdominales. Et le tout à pleine puissance. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il sort d'où ce monstre? Aujourd'hui, on va te parler de George Banfo Jr., le coach sportif qui révolutionne la musculation. Je m'en remets toujours pas de ce qu'il arrive à faire en intro. Attends, t'es pas impressionné? Tu penses quoi de sa façon de faire des haltères alors? On dirait limite qu'il se fout de notre gueule, dans le sens où il fait un truc déjà super difficile, mais ça a pas l'air de suffire. Du coup, il ajoute une dinguerie à son entraînement. En même temps, quand tu regardes son corps, tu comprends très vite qu'il peut se permettre ce genre de folie. George a repoussé ses limites toute sa vie. Il arrive jeune aux États-Unis avec son père et ses deux sœurs, ce qui le pousse à s'intégrer et à vouloir prouver qu'il est solide. Il joue 3 ans à l'université de Houston en tant que défenseur de foot américain. Il obtient ensuite son diplôme et commence un taf plutôt classique. Mais George sent qu'il manque quelque chose. Il se met à la muscu et il s'y met à 200%. Sa vie change le jour où il est repéré par hasard par Ludacris dans sa salle de sport. Mais si, tu sais, Ludacris, le rappeur à l'ancienne, qui est ensuite devenu acteur et que tu as notamment vu dans Fast and Furious. Luda est impressionné par George et décide d'en faire son coach personnel. Et après ça, tout s'enchaîne pour l'américain. Parce que Banfo Jr., c'est pas juste un coach personnel. Son but, c'est de faire bosser tout le monde. Que ce soit sur son site internet ou sur sa page Insta, où il compte plus d'1,7 million de followers, George partage sa routine et son alimentation pour motiver sa communauté. Après les gars, faut être honnête, il croit vraiment qu'on va être capable de reproduire ce genre de dinguerie? Même les exercices un peu plus simples, on dirait de la torture. Après, George le dit lui-même, chacun fait à son rythme. Le but, c'est pas de l'imiter, c'est de s'inspirer de sa détermination et de sa success story. Et surtout, on découvre des choses. Genre, je savais pas qu'on pouvait faire des abdos en utilisant des tapis roulants. Chaud d'essayer? Lui, on te le présente plus. C'est peut-être l'acteur le plus puissant d'Hollywood. Il est plus fort que Jason Momoa, plus fort que Chris Hemsworth, et plus fort que Henry Cavill. Il est même plus fort que Dwayne The Rock Johnson. John Cena est dans la forme de sa vie, et personne n'aurait envie de chercher des histoires avec lui. Et surtout, même si c'est l'idole de toute une époque des fans de catch, bah John, il est plus vraiment tout jeune. La star américaine a déjà 45 ans. Bon, on parle pas d'un papy non plus, mais il le dit lui-même. Il considère qu'il est plus puissant aujourd'hui qu'il ne l'était à ses 20 ans. On parle d'un mec qui a été la star numéro 1 tout au long des années 2000. Du coup, comment c'est possible qu'il soit plus fort maintenant, alors que ça fait plusieurs années qu'il se consacre exclusivement à sa carrière d'acteur? Bah, c'est plutôt simple en fait. John Cena s'entraîne comme un malade mental. Et c'est pas que la fréquence, c'est les exercices qu'il suit. Tu pourrais penser que tout ce qui compte pour lui, c'est les gains et la puissance. Que nenni. Cena croit beaucoup en la méditation, et il passe presque autant de temps à s'échauffer qu'à pousser de la fonte. On le voit d'ailleurs dans une vidéo avec un autre catcheur, l'Irlandais Sheamus. Pour un mec d'1m85 et de 110 kg, il est plutôt souple le mec. Il a même une technique franchement énorme. Au lieu de compter dans sa tête en anglais, il compte en mandarin, pour éviter de se mettre la pression avec les nombres qu'il connaît. Faut que j'essaye ça la prochaine fois. Après, pas de secret non plus pour Cena. Il va à la salle 5 fois par jour, plusieurs heures, et chaque jour est dédié à une partie du corps. Et chaque jour, John engloutit pas moins de 7 repas bien copieux. Un rythme de vie et un acharnement de super-héros. Pas étonnant qu'il ait eu le premier rôle dans Peacemaker. Et ce qui est encore plus fou avec Cena, c'est que dans le catch, il avait tout. C'était le numéro 1 de la WWE, la star ultime, l'idole des jeunes et un exemple pour tous les catcheurs. Pourtant, il a décidé de sortir de sa zone de confort pour devenir acteur. En fait, il fait désormais partie des stars les plus bankable de tout Hollywood. Il a la même trajectoire que The Rock, qui avait fait la même chose il y a 15 ans. Rien d'étonnant. Quand tu vois à quel point ces deux-là ont la dalle, rien ne pouvait les arrêter. Et je crois que ça fait une bonne morale pour finir l'épisode, non? On se retrouve la semaine prochaine dans The Sports Dealer.